On n'est pas venu prendre son décor. Ok. C'est servi. Oui. Il a trop vendu. Si elle-même elle va manger. Ah, elle a enlevé le verre. Angolo! Ouais! On se retrouve, ouais. Mon cher ami. On a la même paire de lunettes que j'ai progressé. Hein. La fille du bois est devenue célèbre. Voilà, Angolo! Oui! La dernière fois, on a causé, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu manques trop. Il m'a dit que. C'est qui? Donne-moi son nom. Je le fais arrêter. Je suis l'oncle du président. Voilà, Angolo, donc il disait que c'est là que tu manques trop. Attends, il charge, il met le crédit, peut-être c'est le câble. Tu vois, non? Voilà. Ma caméra est sale, mais c'est bon. Bon, Angolo, déjà qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que tu manques trop. Voici. Qui a dit ça? Moi? Oui, que tu manques trop. Ministre international, je manque. L'oncle du président de la République, je peux vous faire arrêter, hein? Donne-moi son nom. Mais il dit que. Donne-moi son nom. Non, il dit que tu es l'oncle du président. Ça veut dire que tu dois avoir un peu, même si tu n'as pas beaucoup. Tu vois? Mais que quand il te regarde, il sent que tu n'as pas. Que tu jongles. Non. Je jongle comment? C'est que ce monsieur ne connaît pas mon parcours. Il ne me maîtrise pas. Tu es sûr que tu as interviewé la bonne personne? Ouais, déjà, ouais. Pour parler de Billy, il faut quand même avoir un certain niveau. Quel niveau? Oui, il faut niveau, avoir... niveau de vie ou niveau d'études? Niveau de vie, niveau d'études, standing, relationnel, tout. Ah ouais. Oui. Moi, je suis avec toi parce que je sais que tu as fait le tour du monde, comme moi. On peut parler des choses que nous maîtrisons. Mais tu t'es pas aux États-Unis. Je sais que tu es aussi connu. Pas aux États-Unis. Hein? Comment ça? Longueur, longueur. Ouais. Il faut te renseigner à la bonne source, hein. J'étais aux États-Unis. En troisième année à l'école supérieure de journalisme, je t'ai dit, je te le répète chaque fois. Oh, on fait un stage au Canada. On fait un stage in cursu. Et dans le stage in cursu, je suis allé au Canada. In cursu, c'est en letton? Non, c'est en latin. In cursu. C'est pour ça que je n'aime pas quand tu m'interviews. Tout ça là, vraiment. Tu as des problèmes, hein? Il faut que tu viennes. Tu sais que je suis un enseignant, je te renforce un peu les capacités. Dit, à mon tour, tu sais que tu vas rencontrer des gens d'un certain niveau et tu as même déjà rencontré. Quelqu'un dit Billy Show. Voilà. Ce que je voudrais te dire concrètement, dans le stage en cours en troisième année à l'école supérieure de journalisme, à l'époque de Charles Ndongo, n'est-ce pas, on faisait un séjour en Europe et en Amérique du Nord. D'accord. Je suis de la promotion 87-90. Mes camarades sont vivants. Guy Roger, Bah, Paul Bido Bidias, Joseph Clément Ongba, Jean-Pierre Njana et tout. Nous sommes allés au Canada et j'étais le chef de délégation. Longueur, longueur. C'est moi qui représentais le Cameroun. Et c'est moi qui prenais la parole, c'est moi qui faisais les discours. C'est parce qu'on mange le domba chez Maman Boum ici. Tu vas me prendre. Non, non, non. C'est ma tante. Et elle fait de la très bonne nourriture. Et quand j'ai l'occasion. Je viens avec une star comme toi et tout. Toi-même, tu as l'habitude de venir ici. Mais toi, tu manges le coq. Moi, je sais, on m'a dit. Voilà, donc rassure ton ami. Il ne me connaît pas bien et tout. Si tu m'avais présenté son identité, je voulais dire qu'il a fait de la délation à mon endroit parce qu'il ne me connaît pas suffisamment. Immédiatement, en tant qu'oncle du président de la République, bon, il aurait eu quelques soucis. Le gars du studio m'appelle déjà. Quel studio? Là, le studio ici. Je suis en train de préparer un nouvel album. Ah, il est intitulé comment? C'est le... Son nom. Son nom, c'est Silacha. Lacha. Silacha. 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 C'est les jeunes là, non? Les jeunes... Les jeunes, j'ai dit là. Toi-même, tu es un bon ingénieur de son. Pourquoi tu n'as pas fait ça dans tes studios? Angolo, donc, tu as WhatsApp. Mais ça c'est pas WhatsApp 4G. C'est un WhatsApp 3G. Mon WhatsApp là? Oui. Mais tu attends quoi pour me ramener quelque chose qui est obligé? Tu ris. Faut être concret. Pardon de critiquer. Ça c'est... Pardon de filmer par mon téléphone. Ça c'est Artel. Ça c'est Artel. Tu n'es pas sérieux. Ça c'est Artel. Tu vas tout prix me descendre dans le monde entier. Ça c'est Artel. Pardon. Laisse. Mes supporters vont me payer un autre téléphone. Pardon. Laisse mon téléphone. Ça c'est les anciens WhatsApp de début là.
Comme tu as appris que le 20 mai, c'est dans quelques jours, maintenant tu as enlevé ce cravate tous les jours. N'est-ce pas? Non, oh, tu sais que moi, je suis un sapeur, hein, Goro. Oui. C'est ça. Oui, toujours. Qui t'appelle Billy Chomé, je suis chaud que toi, hein, Goro. Ouais. Il faut que les auditeurs voient. Moi, je suis chaud que toi, tout le monde, c'est ça. Le 20 mai, tu vas jouer où? Le 20 mai? Tu ne sais pas. Le sous-préfet m'a invité, donc. Pourquoi c'est le sous-préfet? Pourquoi tu ne parles pas au palais? Voir mon neveu, oui. Oui, 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 je peux. Il ne faut pas souvent t'amuser comme ça, je peux appeler. Après, je peux appeler. Attendez, Bilicho. Hein? Bilicho va appeler son neveu. Hein? Parce qu'il est l'oncle du président. Tu vas jouer à du Bombari, tu joues dans les sous-préfectures et tout ça, c'est pas normal. Ouais. C'est pas ton niveau. Tu dois être le 20 mai avec toutes les autorités de la République. Au palais. Président, oui, au palais, le président te salue, la première dame te salue. Ah. Ça, c'est un petit problème pour moi. Hein, longue. Ça, c'est un petit problème. Angolo, j'ai mis l'argent là-haut. Ça peut... Comme je suis papa, j'étais. J'avais l'argent, pardon, n'aie pas peur. Que je n'avais pas l'argent. Oui. Attention. Je n'avais pas l'argent, comment? Longue avait la peine d'argent, vraiment. J'ai peur de l'argent. Ça, que... ça va, ça va. Non, c'est que ça allait gâcher l'émission tout de suite, quoi. Ça devient trop dur. Bon, j'appelle un peu. Appelle. Un peu sérieux. Ne oui, pas. C'est l'oncle du président, elle a la main. Maman, bon. Ne rigole pas. D'accord. S'il te plaît, donne-moi un peu le temps. Il y a des moments dans la vie où il faut essayer quand même d'être sérieux, monsieur Longuet. D'accord. D'accord. D'accord, monsieur. Oui, tu vas me dire clairement quelle est ta position. Parce que je ne peux pas t'amener au palais. Après, tu fais comme tu as l'habitude de faire. Là, on se retrouve, on te retrouve chez Akeremouna en train de danser et de chanter. Et chez l'autre, je ne cite pas son nom pour ne pas te créer de problème de soir. D'accord. Bon. Les gens se moquent de toi. Ils se moquent de qui, de moi? ils n'ont pas les bonnes informations. C'est l'oncle du président, attention. Hey, il appelle son neveu. Il t'appelle. Oui. Je suis sûr même que tu n'as pas le numéro du président. Il faut arrêter. Je suis sûr que tu n'as pas son numéro. Confirme que je m'appelle Bernard Ayolo. Déjà, de s'appeler Ayolo, dans ce pays, ça a une signification, non? Ah bon? Vous voulez encore que je vous dise que j'ai une relation assez particulière avec le directeur du cabinet civil? Je ne profite pas de ça. Mais je veux tout simplement vous dire que quand je vous dis un certain nombre de choses, je peux appeler. Mais eux, ils te gardent mal, hein? Non, ce n'est pas un problème. Nous tous, on s'est battus dans la vie pour avoir un nom. Ils te gardent donc, mal. Donc, Jonathan, je ne suis pas un mendiant. Qui peut m'acheter l'eau là-bas? Et tout. Il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. D'accord? Bien. Tu fais quoi donc? Il faut que tu sois un peu concentré. Je ne peux pas appeler la présidente de la République. Toi, mais tu n'es pas concentré. Vous êtes même comment au Cameroun? Oui. Excuse. Bon, ce n'est pas le président directement. Comme vous êtes des villageois là, ce n'est pas le président directement. J'appelle le directeur du cabinet civil. Le directeur du cabinet. Du directeur du cabinet civil. Ok. Hein? Donc j'appelle son cabinet. Pour voir si. Je suis à la banque. Excuse-moi. Il y a l'eau. Longue. Il y a l'eau là. Dans la tu puises l'eau, tu achètes l'eau, on est en communication avec une autorité. Oui, excellence. Même comment? Non glacée. Oh là. Vas-y alors, Billy. Oui, attends, ça sonne encore. Ça sonne. Tu parlais tout à l'heure, non? Je n'avais pas encore commencé. Je dis que je suis au cabinet. Billy, laisse-nous. Ça, c'est l'envoûme. Non. Ça, c'est l'envoûme. Bon, excusez-moi, je ne manque pas de respect à tes téléspectateurs. Je vais quand même parler boulot. Parce que c'est quand même un peu codé. D'accord. Ok. Bon, ça. Mon nom va. Bonsoir. M'a amené Bissabi Bilimi à Boui. Maïen. Mais Billy Longa, allez. Tu es un roublard, mais c'est la vie continue. La vie continue, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Je sais qu'il est versatile quelquefois, mais ça lui arrive, c'est le tempérament. Je le connais depuis l'école primaire, il était toujours comme ça. Il est tombé sur l'eau bouillante. On ne peut pas lui en vouloir. Tu sais que tu es là, il entend. Voilà comment. Non. Joé. Maintenant, une famille à Bobeliste a sous-invité d'honneur et tout et tout. On a un bébé d'invitation à Souna
longueur, à Zuitoudi. À l'occasion, on va un peu voir avec le protocole s'il peut saluer le Nomengi. Pour qu'il soit ému toute sa vie. Parce que les occasions comme ça sont rares. Je veux qu'il arrête sa roubladise et qu'il soit avec nous définitivement. Oui, deux billets d'invitation, ça peut aller. Avec toi? C'est calé. Oh, ok. Ton vrai nom? Non, je donne pas mon nom. Tu donnes pas ton nom comment? Longue, longue. C'est le cabinet civil, non? Quel cabinet civil? Bon, longue, longue. Depuis que tu caches ton nom, là, ça t'a apporté quoi, rien. Bon. Ok. Bon, le grand frère Mami va bien, excellence. Au bâton de manière, allez. Ok. D'accord. Partagez. Ça ne vaut pas la peine de déranger le président de la République, le chef de l'État. À pareil moment, il doit être très pris. Au quatrième Mamakalon, c'est moi. Bayolo Bernard, je n'ai pas à me cacher comme Longue Longue. Je suis officiellement reconnu au Cameroun comme d'utilité publique dans des actions culturelles. Vous avez déjà suivi, hein? Ok, d'accord. En passant, d'accord, à tout prix, oui, par le réseau, je vais lui donner un nom propre. Tu es là pour combien de temps? Je suis encore là. Il est encore là, et tout. Bon. D'accord, merci beaucoup pour l'attention. Merci. Bon, tu sais que j'étais déjà trop, le 6 novembre, c'était 2023, non? Ouais. Je t'avais amené à Sangui-Malo. Ouais. Moi-même, je t'ai présenté au public, non? Oui. Tu as reconnu que vraiment, on t'a trompé. Que c'est bon maintenant. J'ai dit à mon petit, ça c'est une vraie... Oh, comment super bon. Mon coup de 300 Non, c'est pas le bon. Longue, longue, tu es toujours en train de discuter. Ça c'est le faux. C'est le faux. Tu es toujours en train de discuter. Je ne discute pas, c'est pas pour un argent. Il dit que il y a déjà le faux dehors. Pourquoi tu comment on vend l'eau à 300, super mon à 300? C'est le prix? Non, mon petit. Non, c'est bon. Non, il ne peut pas boire ça. Le petit va faire aller-retour deux fois. Non, il va boire. Évidemment, tu ne bois pas le super mon que tu. Moi, j'achète mon super mon à Total. Vraiment, entre nous. Là-bas, c'est le vrai. Pourquoi tu exagères comme ça? Mon super mon ou mon tangué. Tu buvais ça? Non, il dit. Les gens ne vont pas rester là-bas à Japoma. Mettre l'eau dans les bouteilles. Il met les étiquettes, il met les bouchons, on commence à vendre aux gens. Si il vend ça à 200, c'est-à-dire qu'il a acheté à combien? À 300, c'est-à-dire qu'il a acheté à 200 ou 150. C'est-à-dire c'est le faux. Parce que le vrai c'est dans les 400, 500, non? La bouteille d'eau. Et quel est le problème du petit frère là-dedans? Celui qui est taillé, qui a l'air. Je peux pas envoyer le petit. C'est pénible, il fasse le va-et-vient. Il ira m'acheter ça à Total. Il paye le transport. Bon, Angolo. Oui. Bon. Tu es un bon comédien, Angolo. Moi, si. Je te dis. Oui. Tu es un bon comédien. Si tu te dis la vérité, c'est être comédien. Je le sais. Ah, tu es un bon comédien. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit que il ne sait pas si c'est toi qui veux. Mais lui, il a envie de t'envoyer chez un dentiste. Non, je lui dis quoi? En fait, moi, il faut lui dire la vérité. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'authentique. Quand vous imaginez quelqu'un comme moi, dans mon authenticité, dans le recul que j'ai, je n'ai rien à cacher. Je veux être comme je suis. Je n'aime pas les artifices. Vous donnez l'impression à une jeune fille ou bien à une personne que vous avez toutes vos dents parce que vous avez mis un dentier. Et puis subitement, dans une causerie ou dans quelque chose d'intime, vous vous retrouvez édenté. Non, il y a le définitif. Non, il y a le définitif. Oui, ça, je le sais. Mais vous m'avez posé la question à moi de vous dire quel est le problème. Vous pensez vraiment combien de fois toi-même tu m'as proposé ça? Ouais. Soyons honnêtes entre nous. Que va mettre une dentition? Oui. Non, mais je t'ai dit que ce n'était pas une obligation. J'ai travaillé à la télévision. Non, ça rend propre. J'ai travaillé à la télévision, d'accord. Vous savez que à la télévision, on a tous ces artifices. Ouais. Moi, je crois que les gens ne doivent pas s'arrêter sur les détails. D'abord, je suis à la retraite. Je dois profiter de ma retraite de manière paisible. Bien je sûr. Ne suis pas en compétition avec quelqu'un.
Non, Angoro. Vous savez combien de personnes. Non. Il faut que je dise non, c'est ma vie privée. Là, non, tu n'es plus privé, tu es privé. Non, c'est ma vie privée. Et ton. Il faut aussi que je vous donne mes dents, c'est ça. Non, ne ris pas. Il faut aussi que je vous donne mes dents. Vous savez que j'ai quoi en dessous de ma culotte. Il faut aussi que je vous montre ça. Et s'il y a un handicap là, il faut que le public soit au courant. Non, soyons sérieux. Au-dessus de ta culotte, c'est caché. Mais ta dentition, tout le monde voit. Ce que je vais vous dire, ce qui vous a tué, vous autres, les Africains, vous êtes dans le faire semblant en permanence. Vous savez que j'ai fait toute l'Europe. Vous savez que j'ai voyagé un peu partout. Personne ne m'a discriminé ou ne m'a humilié parce qu'il me manquait une dent. Parce que ce que les gens écoutent, c'est mon propos. C'est la substantifique moelle de ce que je dis. Vous le savez bien, Longuet. Je vous accorde. C'est à quoi, la substantifique moelle. Ceux qui peuvent comprendre, peuvent comprendre. Je ne veux pas émouvoir quelqu'un, mais je suis comme ça. Mm-hmm. C'est dans mon authenticité, que les gens m'aiment, parce que je ne fais pas semblant. Vous êtes là, vous vous êtes moqué de moi la fois dernière. Ça a parcouru toute la terre. Avant, hein? Vous avez dit que ma culotte n'était pas aux normes, que j'avais les chaussures de Mokolo. Vous là, Longuet, mon téléphone vous va savez, s'éteindre. Vous savez que je n'avais pas les chaussures de Mokolo, non. Que je suis venu à vous spontanément. Donc vraiment, grandissons avec des choses qui vont rester dans la mémoire et dans la conscience. Ton numéro, c'est quoi? 694? Non, pas 694. 690. 690. 71. 71. 41. 27.